Bonjour à vous. Bon, on rigole bien avec ces chaussons déformées, mais il s'agit quand même d'une maladie. Il se trouve en l'occurrence que c'est une maladie que vraisemblablement moi j'ai eue au début du confinement, le Covid-19. Donc je vous propose deux choses aujourd'hui. D'abord une chanson qui va évoquer cette maladie et ses conséquences. Et ensuite je vous propose de revenir en image sur mon expérience de la maladie pour essayer, autant que faire se peut, de vous raconter qu'on s'en sort, dans mon cas, sans trop de séquelles. Musique. Il fallait bien que ce moment arrive. C'est maintenant. J'ai attrapé le Covid-19. Un coup de salive, je suis comme un bœuf, je sais pas comment. Qui c'est que j'appelle? Ils font pas de test à la chapelle, je sors plus promis. Je suis en cage, dans un appart qui sent le fromage. Je traîne tout nu, surtout le matin. La nuit je dors plus, je sortirai demain. Mais je n'ai pas le droit, c'est l'Allemand qui l'a dit. Si on s'en va, on sera puni. Mais je n'ai pas le droit, pourtant j'en ai envie. D'aller là-bas, la fenêtre en face, et d'arrêter ce chant maudit. Je fais des chansons, puis mon balcon, et des tutos dans ma maison, sur mon canapé. Je vous parle le soir, il paraît que c'est un peu bizarre. À 40 ans, je me reconnais plus. C'est qui ce bonhomme qui ne se tait plus? Il veut rêver, faire des rengaines, et partir à la fin de la semaine. Mais je n'ai pas le droit, c'est Macron qui l'a dit. Si on s'en va, on sera puni. Mais je n'ai pas le droit, pourtant j'en ai envie. D'aller là-bas, la fenêtre en face, chez la jeune fille qui applaudit. Ça y est, c'est sûr, je récidive. Je suis tout blanc comme une endive. Est-ce que je tiendrai jusqu'au 11 mai? Est-ce que tu voudras me voir après? Je me ferai tout beau, ce sera l'été. Des mojitos dans mon quartier, des apéros sans même skyper, et le soleil autorisé. Mais je n'ai pas le droit, c'est Casta qui l'a dit. Si on s'en va, on sera puni. Mais je n'ai pas le droit, pourtant j'en ai envie. D'aller là-bas, la fenêtre en face, et retrouver un peu la vie. Mais je n'ai pas le droit, non, non, non. Mais je n'ai pas le droit, et si j'y vais, tant pis. Mais je n'ai pas le droit, et si j'y vais, tant pis. Si on s'en va, on sera puni. Mais je n'ai pas le droit. Non, 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 non. On sera puni. Mais tu n'es pas là. Et je n'ai pas le droit. Si on s'en va, on sera puni. J'ai attrapé. Un coup de salive, je suis comme un bœuf. Je sais pas comment, qui c'est que j'appelle? Si ça se trouve, je serai puni. J'ai attrapé le Covid-19. Non, non, non. Oh non, on sera puni. Mais je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Non, je n'ai pas le droit. Si on s'en va, on sera puni. Je n'ai pas le droit. Merci beaucoup à vous. Un petit message pour ma nièce Marion qui a 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Marion. À tous les autres et à elle, ne lâchez rien. Et à bientôt. Alors voilà, on est de retour. Je vais évoquer avec vous, avec pudeur et retenue, ma maladie, qui a été relativement bénigne dans mon cas, mais bon, j'ai eu tous les symptômes habituels, un petit peu de la fatigue, des courbatures, un petit peu de température. J'ai pas beaucoup toussé dans mon cas, mais voilà, un petit peu mal au ventre, les choses comme ça. Au début, ça a commencé doucement. J'étais assez positif.
Je vais mourir si jeune. Après, effectivement, les choses se sont un peu empirées. J'ai essayé de trouver le recours que je pouvais auprès du personnel médical compétent. Allô, maman, c'est Rémi encore. C'était pour dire que maintenant je suis à 37,7. Avant, j'étais à 37,6. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir bientôt? Après, la maladie progresse. Certains témoignent d'hallucinations auditives ou cognitives. J'ai connu ces épisodes, effectivement. Ça va plus. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Je suis aveugle. Et arrive effectivement la barre du septième jour, où la respiration devient plus difficile. C'est la contre-réaction immunitaire du corps, hein, c'est normal. Dans mon cas, j'ai su gérer ça avec mesure. Je tousse. Bon, grosso modo, on peut dire que c'était plutôt une bonne expérience. Si jeune, mourir déjà. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Bon, avec cette maladie, c'est évidemment le moment d'être courageux et de se poser les vraies questions. Qu'aurait fait Le Corbusier à ma place? Je vous le souhaite à tout le monde, hein. c'est peut-être comme ça d'ailleurs que ça va se finir avec l'immunité collective. Bon, ne vous inquiétez pas trop malgré tout. Après, évidemment, il y a des gens chez qui c'est plus difficile, blague à part, et bon, bah, on pense à eux. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance. Merci beaucoup à vous, à demain. J'avais encore tant de choses à faire, tant de séries à finir.